Ce résumé vous est présenté par Heineken et Hotel.com. Sponsor de l'UEFA Champions League. Possession pour Manchester City et déjà un danger, peut-être un but tout simplement. Oh non, il y a un arrêt et au final ça rentre, mais il y a hors-jeu, le drapeau est levé. On va revoir ici toujours ses courses. Il n'y a pas hors-jeu à ce moment-là. Ah, il est ici, c'est là quand le ballon revient, quand Kevin De Bruyne ici va sans doute remettre le ballon, il participe à l'action. Que dit l'arbitre? Ouais, eh bien, il y a but. Il y a but. Confirmation de ce que je pensais. Avec le but donc de Mahrez sur cette première occasion. Superbe passe de De Bruyne. Et Sterling, il est parti. Hein. Sterling, il est parti. Voyons voir ce que ça donne. C'est un bon ballon. Oh là, c'est peut-être le deuxième ou un penalty là. Que dit l'arbitre? Non, c'est finalement un dégagement. Deuxième ballon, le but! Oh, qu'il est bon ce but! Splendide reprise de Bernardo Silva, 0-2. Ah, ils sont groggy, KO debout les Lions! Ah, les Lions ne régissent plus, ils sont au sol, assommés par les hommes de Pep Guardiola. Ah, superbe but de Bernardo Silva qui prend ce ballon en drop. Mahrez, toujours aussi élégant, le centre qui passe, ça va être goal, ça c'est le troisième. Oh là là, quand vous loupez autant, faut pas s'étonner d'en prendre trois, de prendre une gifle, une raclée. Trois buts en plus de 30 minutes, Foden 0-3. Oui, parce que là on laisse Mahrez en un contre un d'une part sur le côté gauche de la défense et puis après Coates qui se loupe dans son intervention, là dans son petit rectangle, on va le revoir et là c'est beaucoup trop facile, ça tourne à l'entraînement pour... à la séance d'entraînement pour Manchester City. Sterling qui attend intelligemment, c'est le quatrième. Ouais. Et oui, Bernardo c'est Silva. Le quatrième, Bernardo Silva. 0-4 à la pause. C'est une correction, les Lions. Ouais, mais ça en devient gênant, Mathieu. Ils sont vraiment complètement à côté de la plaque. Oui, parce que je parlais d'entraînement tout à l'heure au troisième but, mais c'est vraiment ça. Et cette équipe du Sporting qui subit encore une fois avec Bernardo Silva pour un troisième. Oh là 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 là. Et l'assist de De Bruyne maintenant pour le coup. Alors certes il est tout seul au deuxième poteau, mais Adan il doit faire mieux. Oui. C'est vrai que il y avait limite au niveau de Bernardo Silva là, la position. On va le revoir. Ouais. Il est annulé. C'est annulé. Bon. Ce n'est que partie remise, diront les mauvaises langues. Sterling, il va envie de frapper. Il a envie de frapper. Oh là 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 là. Eh bien, dites-moi, ça, c'est une pépite en pleine lucarne. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se lève en tribune pour féliciter Sterling. Il n'y a pas que les Anglais, il y a aussi une partie du public portugais qui applaudit ce but de Sterling. Le voilà, ouais. Le cinquième, c'était une question de minutes, on n'en avait pas vraiment de doute, mais est-ce que c'est le plus beau de la soirée? Oui, sans aucun doute, on vous avait dit qu'il était en confiance, trois buts ce week-end face à Norwich.
Et là, superbe, superbe claquette de la part d'Adan. Qui a failli être trompé par un de ses défenseurs. Je pense que c'est Neto qui a dévié ce ballon sur un très très bon ballon de De Bruyne de nouveau qui va aller traverser tout le terrain. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et Hotel.com, sponsor de l'UEFA Champions League.